Gunjos, le maître là également. Est-ce que Johan. Oui, Gunjos avec le crapaud numéro 38. Alors, bien évidemment, il va nous en manquer, hein, parce qu'il y a eu un incident sur le départ tout à l'heure. Dimitri Boucher, qui fait tout l'extérieur, c'est une bonne option d'ailleurs. Et attention à François Jumel. On va voir si est-ce que tout le monde est reparti. Ah, c'est Maxime. Maxime Masson qui est au ralenti, il va rentrer pour le quart 66. Alors certes, il va avoir marqué les points, mais attention, c'est un rebondissement là, actuellement qu'on vient d'avoir. Alors pour vous, ça n'a peut-être pas forcément de conséquences directes. Eh bien, sachez que Maxime Masson vise le classement du Brest Tour 2013, cette Brest Tour 2013. Pour l'instant, Mendiolet est en seconde position, mais le peloton s'est constitué derrière elle. Il va falloir résister, hein, Mendy, parce que François Jumel est juste derrière, en compagnie également de Johan Jos. Il y a la présence dans ce peloton derrière, ouais, pour avec Dimitri, attention là, on a frotté un petit peu avant de rentrer dans le virage 3. Et c'est là que ça va se passer, c'est là que ça va gérer. Voilà, voilà, c'est parfait. On a fait le lapin de Mendiolet avec le carton numéro 20 pour l'instant, Demoiselle en tête. François Jumel est toujours en troisième position dans la tente, certainement. Il est peut-être en train de juger le pilotage de Mendiolet, les trajectoires de Mendiolet, alors que la favorite du West France, la favorite de Alain Lebris, eh bien, est en tête. Le carton numéro 273, Cécile Le Pélec, avec plus de 120 mètres d'avance, 130 mètres, 40 mètres d'avance pour le carton numéro 273. On revient sur le peloton parce que c'est là qu'il faut se passer. Dimitri Rocher en 1, 2, 3, 4, en 5e position avec le carton numéro 88. Julien Leluerne également présent, le carton numéro 206, on est un petit peu loin pour Julien. Il va falloir essayer de porter quelques attaques là, pour prendre une place de milieu. C'est Monsieur Pélon qui vient de passer devant vous avec le carton numéro 6, notre repêché de la finale, B. Cette demoiselle, Cécile Le Pélec, est en train de montrer à tout le monde que tout va bien. Allez. On devine avec le 273, une seconde demoiselle démontre également qu'elle contre les différentes attaques de ses adversaires. Ah, c'est mort avec Johan, c'est mort. Non. Lâche pas, bordel de merde, ouais. Allez. Et voilà, Johan Jos a voulu retarder son freinage. C'est l'arrivée. Il a été coincé à sa propre attaque en tout cas. Mendiolet est en seconde position et pour l'instant, eh bien, nous voici en configuration pour offrir à ces deux demoiselles la première et la deuxième marche ici à Plémy. C'est fait pour Mendiolet, la troisième marche pour François Jules.